quand la voiture est vraiment inclinée sur la droite, à ce moment-là, tu me donnes le cap. C'est la dernière mise au point. Michael Pisano et son navigateur Valentin Sarro déclinent au détail près les principaux points de repère. Puis c'est parti pour une bonne heure de conduite. Une séance technique au volant d'un buggy, une auto similaire à celle que l'Ajaxien pilotera lors du prochain rallye raid Dakar. C'est un rêve de gosse qui se réalise, parce que même si j'étais motard, je rêvais de faire de la voiture et cette première participation elle reste quand même assez exceptionnelle. Et dans une belle voiture, dans une belle structure, voilà, c'est un rêve qui se réalise. Ouais. Après 5 participations en tant que motard, Michael Pisano entend faire jouer à plein son expérience du Dakar. Le pilote pourra aussi compter sur un soutien logistique performant doté d'un personnel qualifié dans le domaine des rallye raids. On est 16 personnes. L'équipe a fait déjà ses preuves, elle a déjà gagné des courses, fait de très beaux résultats en championnat du monde, donc la voiture a un bon potentiel. Après, on n'est pas une équipe d'usine, on n'est pas une équipe professionnelle, mais on s'en rapproche, on essaye de faire les choses bien. Je pense que on est l'une des plus belles équipes privées du plateau. Pour cette première, tout a été mis en œuvre pour réussir un coup d'éclat. Un an de préparation technique, mais aussi et surtout physique. Cet aspect sera un point capital sur ce parcours d'endurance long de 5500 km répartis en 10 étapes. J'ai essayé de travailler sur les réflexes, sur l'anticipation et la concentration. Après, on a fait une bonne séance d'essai justement avec le buggy. On a essayé de faire des kilomètres où j'ai essayé de le régler. Les essais se sont très bien déroulés. Moi, je sais que je me suis toujours très bien adapté à tous les pilotes avec qui j'ai roulé. C'est vrai que pour Mika, c'est quelque chose de nouveau de devoir travailler à deux. Lui en moto, il prenait ses décisions pour lui. S'il faisait des erreurs, il les faisait pour lui. Là, c'est vrai que pour lui, ça va être quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas de raison. Il est au clair avec ça, on est au clair ensemble, donc ça va bien se passer, il n'y a aucun problème. Michael Pisano est donc paré pour l'aventure. Fin prêt pour jouer les funambules sur les cordons de sable et dompter les dunes péruviennes dans un rugissement de moteur.